Ce lundi 21 août 2023, Jessica Thivenin et son petit frère Logan se sont livrés comme jamais devant les caméras de CIST La Famille. Visiblement, le beau-frère de Thibaut Garcia a l'intention d'utiliser sa plume pour mettre à l'honneur leur filiation. Un projet littéraire qui s'annonce riche en révélations. Voilà plusieurs années que W9 fait le bonheur de ses téléspectateurs en diffusant de multiples émissions de télé-réalité. Actuellement CIST La Famille, nouveau programme phare du groupe qui est sur toutes les lèvres. Bien évidemment, Jessica Thivenin et son mari Thibaut Garcia ont accepté d'y participer pour le plus grand bonheur de leurs fans. Ce lundi 21 août 2023, les aficionados ont pu en découvrir davantage sur la jolie blonde et son plan. Dans un extrait, la maman de Melon et Livan s'est accordée une balade en pleine nature avec son petit frère Logan. L'occasion pour lui d'évoquer l'ouvrage qu'il aimerait publier à son sujet. Un projet littéraire qui ne semble pas inquiéter le moins du monde l'influenceuse comme elle l'a affirmé face caméra. Mon frère a décidé d'écrire un livre qui va s'appeler « Dans l'ombre d'une star de télé-réalité ». Je suis connue et dans ma famille, certains le vivent bien et d'autres, un peu moins. Point, a reconnu l'ex-petite amie de Nicolas Lozina. Et d'ajouter avec philosophie, je trouve ça cool qu'il ait pu mettre des mots sur ce que ça fait d'être le frère d'une personne connue, d'expliquer s'il le vit bien ou mal. Je pense que je vais aussi découvrir des choses que je ne connaissais pas. Avec humour, la star a toutefois voulu en savoir plus quant à ses écrits. Tu ne m'as pas trop démonté, ça va ? Avec sincérité, Logan a affirmé que son bouquin ne serait pas totalement axé sur sa vie. En fait, il y a plus de passages sur ma vie d'enfant, jusqu'à maintenant. Il n'y a qu'une petite partie sur toi, a glissé le jeune homme et de renchérir, étant donné que beaucoup de personnes se posent des questions, eh bien, j'y réponds dans le livre. Sur la toile, W9 a également partagé la séquence qui a eu le mérite de faire jaser. Et ça intéresse qui la vie du frère d'une meuf de télé-réalité ? Moi je trouve cela intéressant que ce soit télé-réalité ou autre célébrité. Si est-il intéressant d'avoir le ressenti de la famille, bon ça va, ce n'est pas bio ne sait non plus, on fait savoir des internautes. Si est-il pourtant en 2014 que Jessica Thivenin a vu sa notoriété exploser en intégrant la troisième saison des Marseillais. Depuis, la femme d'affaires au tempérament volcanique a plutôt bien roulé sa bosse. Une belle réussite qui suscite aussi les jalousies.